on voit aussi le monde du golf. Bonjour. Oh, la mer. La mer, cette douce musique qui nous berce lorsque nous sommes sur le sable chaud. La mer Égée, la mer Rouge, la mer Caspienne, la mer Méditerranée. C'est la fête des mers ce week-end. C'est quoi? C'est la fête des... C'est la fête des mers. M-E-R-E-S. C'est la... c'est pas la fête des mers, en fait. C'est pas la... Non. Mais non, c'est pas la fête des mers, c'est la fête des mers. C'est la fête de toutes les mamans. Bonne fête! Accueillons tout de suite des mamans accompagnées de leurs enfants. Tout d'abord, Lucille et sa maman Christine. Bonjour. Un petit bisou. Bonne fête, madame. Merci. Bonne fête. Vous, vous êtes maman, vous? Pas encore. Pas encore. Bon, faites attention. Hein. Faites attention. Hein. On va danser. Accueillons Anne-France et sa maman Marie-Claude. Vous avez des enfants? Oui. Ah oui? Oui. Et alors donc, vous êtes grand-mère alors? Oui. Combien d'enfants? Deux. Bonne fête également à vous. Accueillons maintenant, attention aux escaliers bien sûr, Blandine et sa maman Annick. Annick. Blandine. Des enfants quant à vous, Blandine? Pas encore. Faites attention aux marches, bien sûr. Et maintenant, Agnès est venue avec sa maman, Lucette. Bonjour. Lucette. Mes amis, c'est la fête de Lucette. Permet de vous accompagner, Lucette, en vous souhaitant une bonne fête. Merci. Faites attention, il reste une marche là. Soyez vigilante. Je souhaite bien sûr une fête à toutes les mamans. Et en ce week-end, on y pense tendrement. Pour la vie. Bonne fête, maman chérie. Lucille, oui. Qu'est-ce qui fait que maman est une maman pas comme les autres? Qu'elle est unique, c'est la vôtre? Oui. Quelle est sa différence à elle? C'est une championne de VTT. Championne de VTT? Maman championne de VTT? Maman sportive, d'accord. Qu'est-ce qui fait, Anne-France, oui, que maman est votre maman à vous et à personne d'autre? Elle est très accueillante, oui, et surtout par rapport aux copains de, oui, de tout temps, en fait. Mm-hmm. La maison, c'était la maison boîte de nuit, un peu. La maison boîte de nuit? Voilà. D'accord. Et toujours, encore, maintenant, d'ailleurs. Eh bien, écoutez. Et même la confidente des copains. La confidente des copains. Oui. Eh bien, oui, écoutez. Et... Alors, je reste dans les confidences, hein, tout ce qu'on m'a fait. Je le garde dans le creux de l'oreille. Eh bien, on va rester, bien sûr, dans les confidences dans un instant. Blandine, qu'est-ce qui fait que maman, Annick, votre mère est unique? Elle est unique, déjà d'une, parce qu'elle est très attentionnée vis-à-vis de moi et de ma petite sœur. Oui. Mais aussi, elle est très douée, je vais dire, au niveau manuel. Elle nous a fait... Vous êtes douée manuellement? Des petites robes, la petite tricoterie. La tricoterie? Oui. Vous tricotez? Oui, mais enfin plus maintenant. Ah d'accord. Non. Bien, bon, on va en parler un petit peu plus tard. Agnès, qu'est-ce qui fait que Lucette... Maman est unique. C'est une grande fouineuse. Une grande... Quel genre de fouinesse? Elle aime fouiller dans les cartons. Elle fouille dans les cartons? Lucette, vous fouillez dans les cartons? Qu'est-ce que ça veut dire, Lucette? Brocante. Ah, les brocantes? Voilà. Ah, d'accord, c'est voilà. Lucette la brocante? Voilà, si vous voulez. Bien. Ce qui les distingue, c'est qu'ils sont là au quotidien,
main dans la main, ce sont des amis. Ce sont les potes. Et sans plus attendre, voici la première question. Elle est mignonne. Sur 100 petits garçons, combien trouvent que leur maman est la plus belle des mamans du monde? Maman. Eh oui. Alors que Baby Pot est en train de sympathiser avec les enfants dans le public. Salut mon Baby Pot. Christine et Lucille, vous répondez? 89. 89. Le public applaudit. Marie-Claude, avec Anne-France. 92. À 95, 92. À 92, finalement. On a voté le 9-2. Question pour Annick et Blandine. Vous avez répondu 91. 91. Agnès, Lucette, qu'est-ce qu'il y a, Lucette? Non. Dites-moi, Lucette, alors? Je suis pas d'accord. Alors, vous n'étiez pas d'accord? Et alors, qui a eu le dessus, Lucette? Elle. Vous avez des petits-enfants ou pas, Lucette? Oui. Combien? 5. 5 petits-enfants? Comment ils vous appellent? Mamina. Bien. Vous avez répondu? 58. Ah. Et la réponse est 78. Eh bien, les plus proches, si nous faisons le compte, sont Christine et Lucille. Désolé pour Mamina, Lucette. Lucette, je sais que... Donc, vous avez 5 petits-enfants. Oui. Combien d'enfants? 5. 5 aussi? Ah, d'accord. 5. Une chanson qui vous a marqué, que vous aimez, une chanson à vous? C'est Claude François. Claude François? Claude François, ça vous plaît bien. D'accord, Claude François, bien. Vous, Annick, une chanson qui vous a marqué un peu... Moi, j'aimais bien Sheila, Bang Bang. Bang Bang? Oui. Oh, c'était triste, ça, Bang Bang. Oui, c'est peut-être pour ça. Marie-Claude, y a-t-il une chanson qui vous est accompagnée et que vous avez aimée? Oui, moi, j'aimais bien Adamo. Adamo, ça... Vous permettez, monsieur... Oh là là. Que j'en parle de votre fille. Quelle belle chanson et quel bel homme, hein. Attendez, Salvatore, Adamo, quel souvenir, hein. Et puis, soin. Lucille, une chanson qui vous est marquée. Claude François, si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau, Claude François. Alors, la question, écoutez-la bien, nous dit en moyenne combien de chanteurs français connaît un Français. C'est une question, Baby Pot a sa teutote à la main. Dis-moi. Il faudra arrêter la teutote. Ah, oui, non, mais tu peux pas lui donner la teutote, c'est pas possible. Ça va pas être possible de lui donner la teutote. Marie-Claude. 65. 65 chanteurs français. Avance. Annick Blandine. On a mis 150. Lucette et Agnès. 64. 64 pour Lucette et Agnès. Bien. Christine est morte de rire depuis le début. Oui, parce que moi, j'ai pas compris la question. Ah. Et j'ai pas écouté maman. Donc ah, ça elle donne 48. Elle m'a dit 48, 48 alors. Mais 48. Ah, mais. Ah. Apparemment, ça a pas l'air mal, hein. Les Français ont répondu connaître combien de chanteurs français en moyenne? 25. Eh bien, oui, le public ne s'y trompe pas. Et désolé pour Annick et Blandine qui perdent un pote. Alors, une question juste, mesdames. Dans la famille, vous, si on avait à déterminer votre famille, un qualificatif, ce serait quelle famille? Marie-Claude et Anne-France, si votre famille avait un adjectif, ce serait la famille... Enjouée. Unie, enjouée. 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 La famille enjouée. Oui. Toujours oui, la bonne humeur. Voilà, oui. La famille... En général, oui. En général, bien. Lucille, pour vous, ce serait la famille... Accueillante. Accueillante, bien. Lucette, vous, ce serait la famille... Unie. Unie vers l'unie. Voilà. Bien, la prochaine question... est avec une belle musique.
Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais de voir grandir auprès de toi. C'est Phil Barnet. C'est le cadeau dont je rêvais. Et puis c'est la chanteuse Marlène. Vous la connaissez, Lucille ? Quel est le nombre record d'enfants d'une maman française ? Ça discute, ça papote. Blandine. Nous en mis 17. 17 enfants pour une seule maman en France. Annick, combien d'enfants vous ? Combien vous avez d'enfants ? Deux. Deux enfants. Oui. Bien. Pas encore de petits-enfants ? Non. Pas encore. Bien. Agnès Lucette ? 13. Christine Lucille ? 25. Ah ! Là, ça crépite. Quand ça crépite, c'est bon signe. Marie-Claude Anne-France ? 18 enfants. Le record d'enfants d'une maman française. Ah, il y a un tout petit. Avons-nous quelques informations, quelques biscuits? Oui, quelques... bonjour Jean-Luc. Bonjour mon ami. Il s'agit de Madeleine Davot, la Murée dans les Deux-Sèvres, née en 1910, qui a mis au monde entre 1928 et 1958 10 garçons et 15 filles. 25, bravo à Lucille et à Christine, elles sont heureuses, elles sont joyeuses. Les caméras de mon ami Didier vous les montrent, tellement il y a de joie dans la famille. Petit cadeau, beau cadeau. Rose ou bleu, petit cadeau, casque audio rigolo, beau cadeau, combi, TV, DVD. Le rose, carbone, moi j'aime le bleu. Bleu. Moi j'ai bleu. Bleu, est-ce le beau cadeau, est-ce le petit cadeau? Eh bien... Ah, c'est le petit cadeau. Je montre qu'il y avait quand même bien le beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un casque audio que voilà. Premier cadeau de la matinée. En revanche, un petit pote va partir du côté de Lucette. Ah ! Lucette, vous perdez votre dernier zizi. Il vous en reste qu'un, Lucette. Voilà. Et puis ça y est, le dernier le zizi est parti. Voilà. Mais heureusement, cela vous apporte un petit cadeau, un appareil photo numérique pour chacune. C'est pour prendre en photo toute votre famille. Et vous partez juste avant la question, hein. Vous savez, c'est la question coquine. Il y a déjà une anecdote qui s'est passée du côté coquin en ce qui vous concerne, Lucette. Moi, non. Une petite anecdote coquine Non, j'ai pas d'anecdote. Bien. Blandine, chère Blandine, comment s'est passée l'éducation sexuelle à la maison? Eh bien, c'était un sujet un petit peu tabou, mais bon, j'ai apprécié le tas. Bien. Vous vous rappelez du premier tas ou pas? Oui. C'est... La première fois, c'était... Oh, c'était moyennement bien, on va dire. Moyennement bien. Stressé. Oui. Un peu stressé. Ah oui. Oui. Marie-Claude, l'éducation sexuelle à la maison s'est passée comment? Il faut demander à Anne-France. Hein. Anne-France. Anne-France. Mmh, je me rappelle des histoires de petites graines. Et alors? Alors? Donc, j'étais un peu choquée moi, au début, parce que c'était pas des graines. C'était pas des graines finalement. Bien, Christine, j'ai envie de me dire, mais comment s'est passée l'éducation sexuelle, vous, vis-à-vis de Lucille? Lucille, qu'est-ce que vous a expliqué maman? Maman étant infirmière, on a tout dans le détail parfait. On a tout dans le détail parfait. Alors, parce qu'il y a des... On n'est pas sûr. Il y a des petits-enfants, par exemple. Vous, quand vous aurez des enfants, vous leur expliquerez comment, par exemple, vous, Lucille Va voir mamie. Va voir mamie. C'est tout, c'est la question coquine et on ira voir mamie, c'est tout. Combien de fois la puce femelle s'accouple-t-elle
dans toute sa vie. Combien de fois la puce femelle s'accouple-t-elle dans toute sa vie? Question pour Christine et Lucille. Difficile. Vous avez répondu 400. 400 fois la puce femelle. Bien. La question pour Marie-Claude et Anne-France. La puce s'accouple, vous avez marqué? 536 fois. 536 fois la puce femelle. Les filles, Blandine est morte de rire avec maman. Annick, qu'est-ce qu'il y a, Annick? Vous avez marqué combien? On n'a pas les mêmes chiffres. Vous avez marqué combien? 51. 51. Tout sur la puce, tout sur l'accouplement de la puce, grâce à mon ami. Ami? Alors, ami Jean-Luc, elle pond plusieurs centaines d'œufs en 6 mois. Et oui, elle ne s'accouple qu'une seule fois dans sa vie. Oh là 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 là! Mais bravo à Annick et Blandine! Bah finalement, vous voyez, vous avez bien fait les 51 fois. Anne-France et maman, Marie-Claude, désolé. Un super pote s'en va. Alors Jean-Luc, j'en profite, on parlait de puces. Ce 24 mai 2003 débute le salon des puces et brocantes à Strasbourg. Merci de cette petite information. La question, on va nous parler du démon de minuit. Qu'est-ce que le démon, en revanche, de midi? Est-ce que vous connaissez l'expression avoir le démon de midi? Marie-Claude, apparemment, vous connaissez le démon de midi? Ah, moi, je ne le connais pas, mais l'expression, c'est un petit peu aller folâtrer à droite, à gauche. Folâtrer de droite et de gauche. J'adore votre vocabulaire. Est-ce que c'est cela, avoir le démon de midi, mon ami? Eh bien, au milieu de sa vie, en général, un homme ou une femme peut-être se remet en question sa vie du point de vue du couple. Alors, on a peut-être d'autres envies ou on a cette espèce de remise en question qui donc, nous agite. C'est le démon de midi. Et en fait, folâtrer était la bonne expression. Je tiens à le préciser. Bravo, Marie-Claude. Là, ce n'est pas le démon du midi, mais les démons de minuit. À partir de quel âge un Français donne-t-il l'autorisation de minuit à ses enfants? À partir de quel âge un Français donne l'autorisation de minuit à ses enfants? Nous précisons en moyenne, Jean-Luc. Christine, Lucille répondent. 15 ans. À partir de 15 ans, la permission de minuit. Bien. Marie-Claude, Anne-France. 17 ans. 17 ans. Vous avez dit 17 ans. Bien. Annick Blandine. 16 ans. 16 ans. Bien. Alors là, tout se tient et se maintient. La réponse étant de... Ah, tout pile. Empoché par... Annick et Blandine, mais oui, bravo la permission de minuit. Alors, c'est tout pile, ce week-end tout pile. Petit cadeau, carnet de voyage pour aller, bien sûr, où vous voulez. En revanche, beau cadeau, un agenda électronique chacune, jaune ou orange. Vous choisissez. Jaune. La jaune. Est-ce le beau cadeau? Est-ce le petit cadeau? Nous dévoilons, bien sûr, je monte, hein, décidément, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Regardez, c'était bien le beau cadeau, j'en suis confus. Mais voici un carnet de voyage pour chacune, pour ce tout pile. Mais en revanche, nous faisons les petits calculs. Et ceci se voit emporter un pote chacune. Ah là 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 là, et malheureusement, on va perdre Marie-Claude. Et Anne-France, à qui l'on va également offrir, écoutez bien, un beau cadeau, chacune, un autoradio CD MP3. Merci à vous deux. Bonne fête encore à vous, Marie-Claude, également à vous, Anne-France, puisque vous êtes maman. Et sans plus attendre, eh bien, d'un côté, il y aura une infirmière dont c'est la fête aujourd'hui, c'est ça. C'est sa fête aujourd'hui, maman Christine et sa fille Lucille sur la marche suivante. Celles-ci seront accompagnées de Blandine et sa maman, Annick. Annick, bien sûr, sa maman. Je ne veux rien dire, vous avez vu
apparemment, on a eu une dame dans le public qui a l'air super. Hein. Oui. Apparemment, mesdames et messieurs, nous avons Ginette aujourd'hui dans le public et je voudrais que l'on applaudisse Ginette. Ginette, attendez, je vais monter. Ginette. Ginette. Merci pour l'espace que vous nous faites. C'est chouette. C'est chouette. Mais c'est beau, ça. Ginette, est-ce que vous pouvez parler aux téléspectateurs en leur disant de s'inscrire pour téléphoner, vous savez, pour être tiré au sort, vous rappelez du numéro 0897-66-4000. Voilà. Et je vous appelle, il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais oui, mais vous nous appelez et vous êtes peut-être tiré au sort. Alors, pour gagner 1000 euros en fin d'émission. Ah, si je gagnais 1000 euros, je tomberais dans les pommes. Ginette, vous connaissez les SMS. Est-ce que vous envoyez des SMS, Ginette? Ah, oh bah, j'ai pas de téléphone de portable, ah moi, bah, je suis pas assez riche. Ah, bon, d'accord. Ginette, je peux vous embrasser quand même? Ah, oh bah, si vous voulez, ça me fait du plaisir. Oh bah. C'est votre fête, c'est la fête des mères? Merci, bah, j'ai eu 9 enfants. 9 enfants? Oui, 13, 14 petits-enfants. 9 enfants, et 4... des arrière-petits-enfants. Mais super, Ginette! Merci bien. Oh, c'est beau, ça, mes amis, c'est chaque midi. Quel bonheur! Maintenant que tout ceci est fait, nous allons bien sûr passer à la première question. Excusez-moi, mesdames, je fais une petite parenthèse, mais c'est la fête de toutes les mamans, y compris maman Ginette. La première question nous dit sur 100 Français, combien reconnaissent qu'ils n'ont pas le sens de l'humour? Contrairement à notre Ginette, qui l'a bien... Christine Lucille, c'est la première question. 37 pour Christine Lucille. C'est le jeu du plus ou du moins. Les enfants réfléchissent. Blandine, plus ou moins? La réponse est 11, c'est moins. Bravo pour Blandine et bravo pour Annick. Annick, vous avez une anecdote sur la naissance, le jour de la naissance de Blandine. Il y a peut-être un petit quelque chose qui s'est passé? Bien oui, il neigeait ce jour-là. Il neigeait? Oui, il neigeait beaucoup. Mmh. Et donc, la voiture, on l'a laissée avant la maternité, j'ai fini à pied. C'était quel jour? Un 31 mars, pourtant. Vous, une petite anecdote, Christine, le jour de la naissance de Lucille? Oui, son papa n'était pas là et donc elle a attendu qu'il arrive. Oui. Et au bout d'un moment, quand il était enfin là, il disait « Mais alors, t'accouches hein, ?» parce qu'il n'avait pas pris le temps de manger. Question avec une très jolie chanson. Monsieur Jean-Jacques Goldman. En moyenne, à partir de quel mois de grossesse la future maman achète les vêtements pour bébé? Ah oui, 3, 4, oui. 4. 4 mois? Oui. D'accord, 4 mois. Christine, Lucine? C'est une moyenne. C'est une moyenne, oui. Donc, Vous dites? Oui. Maman? Moins. Moins. Moi, j'aurais dit 5 mois. Éventuellement... Pardon, Lucille? J'aurais dit 5 mois éventuellement, à peine plus, mais je sais pas. Ah, bah oui, pas là c'était plus, mais. Et la pas. Réponse est. Je sais pas. Voilà. Ah oui, 5. Oh là là, bah Lucille, bah oui. Blandine et Annick, ça continue de monter pour vous deux. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. Sur 100 personnes qui ont des frères et sœurs, combien s'entendent bien avec eux? Christine Lucille. Combien s'entendent bien? Parce qu'on dit 45 s'entendent bien avec frères et sœurs, plus ou moins, Blandine. C'est les enfants, les frères et sœurs qui s'entendent bien, c'est ça? Oui, combien? 45%. Plus. Ginette, vous avez des frères et des sœurs, Ginette? Oui. Beaucoup? Je me suis toujours entendue avec lui. Vous êtes toujours bien entendue? D'accord. Vous avez... J'ai eu 9 garçons. Et vous avez eu 9 garçons? Oui. Et pas une fille? Non.
Ils s'entendaient bien ensemble? Toujours. Toujours. Ah, vous en avez un là? À côté de moi. Bien, bonjour. S plus... Oh là là, 91, Blandine et Annick, vous montez sur l'escalier pour la fête des mamans. En trois questions, désolé pour Christine et Lucille, nous allons bien sûr leur offrir, et je pense que c'est vraiment un beau cadeau pour chacune, une télé phosphorescente. Cadeau de la fête des mamans, merci de votre sourire. Et Blandine, ça va? On va tenter avec maman les 10 000 euros. Ginette, est-ce que vous pouvez regarder la caméra en disant bienvenue à tous sur l'escalier? Allez-y. Bienvenue à tous sur l'escalier. Merci. Annie, combien d'enfants alors? Deux enfants? Deux filles. Deux filles? Oui. Et la deuxième est là? Oui, elle est derrière. Elle est derrière? Et elle se prénomme ? Aurélie. Aurélie, vous faites quand même des jolies filles. Hein. Oui, c'est vrai. Bien, eh bien, nous offrons bien sûr 250 euros comme il se doit pour la fête des mamans. Et toutes les trois, on croise les doigts. Et sur un morceau de piano, comment vous dire, un morceau de piano prenant, puisque ça va être une question piano. Ah. Un jour, on apprendra ce morceau et puis on se le jouera, tout ça. Ah, ah. Le poids du plus petit piano du monde est de 2 ou de 10 kilos. Je dirais 2, moi. Oui. En miniature, non? Bah, oui, pourquoi pas. Oui. Tu pensais ça aussi? Oui. Blandine, Annick? Oui, 2. On tombe d'accord sur 2. 2, bien. La réponse S2. Oh oui, ça commence bien. Quel est ce genre de piano, mon ami? Alors, il s'appelle le PPPQSN, le plus petit piano à queue à son numérique. Alors, c'est la bonne réponse. Donc, l'on vous offre 500 euros en entier. De quelle ville êtes-vous originaire? D'Orléans. Orléans, dans l'Orléanais, vous êtes né. Il faut bien être quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Alors, ce n'est pas évident. Écoutez bien la question, Blandine et Annick. En ces temps-ci, dans ces années 2000, aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2003, lorsqu'il naît 100 petites filles, combien naît-il de petits garçons? Soit 85, soit 105. Alors, le rapport entre le nombre de naissances de petits garçons et de petites filles est appelé le sexe ratio, autrement dit le rapport. Le ratio. Lorsqu'il naît 100 petites filles, est-ce qu'en parallèle, il naît 85 garçons ou il naît 105 garçons? Telle est la question. Et nous parlons de la France. Bien sûr. En France. Peut-être une bêtise. Pendant que vous réfléchissez, je m'adresse aux téléspectateurs. N'hésitez pas, même le week-end, ça marche. 0 897 66 4000. C'est un tirage au sort quotidien sur TF1. Blandine, Annick, est-ce qu'il en est 85? Est-ce qu'il en est 105? On choisit 85. Au prorata, donc, vous dites qu'il naît moins de garçons que de petites filles en France en ce moment. Est-ce la bonne réponse? Dans un instant, nous le saurons. À tout de suite. Bonne fête des mamans. Est-ce qu'il naît plus de garçons? Est-ce qu'il naît plus de filles? Lorsque naissent 100 petites filles, combien naissent de garçons en France? Soit 85, soit 105 garçons. Oh, ils sont beaux, le public. Merci, avec un super public. Hein. Nous avons une maman en compagnie de ses deux filles, Blandine et Aurélie. Vous avez répondu qu'il naissait
85. 85 garçons pendant que naissaient 100 petites filles en France. Est-ce la bonne réponse? Et non. Et nous sommes assez bouche bée, nous en apprenons chaque jour dans Attention à la marche, car en ce moment, nous sommes d'accord, mon ami, oui, il n'est plus de garçons que de petites filles. Oui, il en est plus, mais il n'y en a moins globalement dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes sont plus fragiles que les dames, d'un point de vue du système immunitaire, de santé. Donc globalement dans le monde, il y a moins d'hommes que de femmes. Mais à la naissance, il y en a plus. Bien, bon, on garde bien sûr les 500 euros. 500 euros, et nous allons tenter, bien sûr, de doubler la mise sur la troisième marche. Allons, papa, tando, Charlie. Le tout premier message en morse. Il fut envoyé en 1844 ou en 1894. C'est la question que nous posons. Et c'était un 24 mai, comme aujourd'hui. 1844, le tout premier message, ou 1894? 1844. Ça va, Blandine? Oui. Bon. Nous nous retournons vers le standard qui est tenu aujourd'hui par Fleur Pot. Fleur Pot, a tiré au sort. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Jean-Luc. Qui est à l'appareil? Oui, c'est Florane dans l'Isère. Florane dans l'Isère, quel joli prénom, Florane dans l'Isère. Fleur Pot, eh bien, grâce à Fleur Pot qui vous a tiré au sort, Florane, vous gagnez 500 euros dans l'Isère. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment gentil. Florane, quant à vous, dans la vie, vous avez une maman? Ah oui, bien sûr, j'ai cette chance. Et vous pouvez l'embrasser pour nous? Oui, elle est à côté, donc... Bon, bah, vous lui faites un gros bisou. Gros bisou, maman. Elle se prénomme comment? Marie-Noël. Marie-Noël, bien, bonne fête Marie-Noël. Florane, êtes-vous d'accord avec le premier message en morse en 1844? Oui, je pense que je vais aussi choisir cette solution-là. Si c'est la bonne, vous capitalisez 1000 euros. Hein, si, bien sûr que Blandine et sa maman, est-ce 1844 Samuel Morse, le tout premier message? Mais oui, Flora! Super fête des mamans, qu'ajouter de plus? Que dire, Florane? Je suis vraiment ravie de vous avoir, et puis 1000 euros, c'est formidable. Et ben, vous pouvez remercier Fleur Pot parce que c'est elle qui vous a tiré au sort. Un grand merci à Fleur Pot alors. Bisous et bon appétit, bonne fête à votre maman Marie-Noël. Au revoir, Florane. Au revoir. Au revoir. Pour vous également, 1000 euros pour maman et Blandine. Et nous allons tenter de quintupler cette somme sur l'ultime palier. Question pas évidente du tout. Nous allons faire un petit tour en voiture. La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Je rentre à la panne d'essence. Je connais les garçons. Ça va être question d'essence. Je te vois bien venir. Oh, ça va, ma disco pote? Ça, je n'en crois rien. Ça t'arrange bien. Il faut rester là. Ma maman m'attend. Surtout ne t'en va pas. Tu ouvres la porte, s'il te plaît. Attention, la porte, la porte, la porte. Écoutez bien la question, elle est on ne peut plus d'actualité. Selon l'Institut français du pétrole, dans combien d'années devraient s'épuiser les réserves mondiales de pétrole? On ne peut plus d'actualité. Selon donc l'Institut français du pétrole, il n'y aura plus de pétrole dans 40 ans. Ou dans 80 ans, il n'y aura plus de pétrole. 40 plus 40 égale 80, 80 plus 80, 160 ans, il n'y aura plus de pétrole. Les réserves
serait épuisé, peut-être dans 320 ans. C'est l'actualité, certes sombre actualité, qui s'est déroulée ça me paraît un peu court. Oui. 40, cela vous paraît un peu court. Alors, nous allons choisir 80. Dans 80 ans. Nous nous retournons, et là, c'est pas une question évidente. Hein. Tout le monde se doute qu'il y a quand même une jolie somme en jeu. La mise à prix est de 5000 euros. Si vous êtes d'accord, vous êtes prié de vous lever pour vous manifester. Je dirais qu'il n'y a même pas 10% des gens qui sont debout, dites. Alors là, je vous montre un Blandine parce que ce sont mes amis dans le public. Donc, je vais vous dire, regardez. Les gens qui ne sont pas d'accord maintenant, levez-vous. Pour voir, il y a des... Oh là là, Blandine. Oh là là. C'est l'actualité. On change à 40. Alors, oui. Attention, ils se battent tous en ce moment parce que... Jean-Luc, encore oui. Une petite info. Oh oui, il faut savoir que le pétrole, cet hydrocarbure, met des millions d'années à se former. Vous savez, il est formé à partir des débris végétaux, de l'humus, etc. Et effectivement, on en pompe beaucoup plus qu'il ne s'en forme. Mais il y a de l'humus dans le pétrole. Alors, on va changer et on va mettre 40. Oh là là, ça réagit. Oh là là. Oh là là, beaucoup de réactions, à part, bien sûr, votre sœur qui ne réagit pas. Ah, si, un rictus maintenant, je la vois. Et... Ouh, aïe, aïe, vous allez mettre 40. La première case que vous désirez dévoiler est... 320. Y a-t-il 5000 euros derrière 320? Selon l'Institut français du pétrole, est-ce qu'il n'y aura plus de pétrole dans 320? Non, tout va bien. La deuxième case que vous désirez dévoiler. 160. Y a-t-il 5000 euros derrière 160? 160 ans, il n'y aura plus de pétrole, 5 000 euros. La case se déroule. Oh ! Vous avez changé. Oui. La dernière case que nous allons dévoiler maintenant est 40 ans. Est-ce que, selon l'Institut français du pétrole, dans 40 ans, devraient s'épuiser les réserves mondiales. Si oui, vous avez gagné en ce week-end spécial Fête des Mamans 5000 euros. Sont-ils inscrits, séant derrière ? Chaque midi, c'est une jolie famille. Merci à tous. Au revoir. Bon appétit.